Yo, 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 les gars! J'espère que ça va. Ça me fait rire parce que quand j'arrive et que je vous dis yo, les gars, on dirait que je m'adresse à un public jeune, tu vois, et tout. Mais non, en fait, c'est parce que moi, c'est ma façon d'être. Voilà. Alors que je sais très bien qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui me suivent dans ma communauté, qui êtes plus âgés. Et voilà. Ça n'empêche pas que j'ai beaucoup de respect pour les personnes plus âgées que moi. Et voilà. Parce que c'est vrai, je connais beaucoup de personnes, mine de rien, qui sont. Toutes les personnes que je connais dans la vie sont plus âgées que moi. Donc en fait, moi, si tu veux, je suis un peu le mini, tu vois, le Benjamin dans l'histoire. Le Benjamin, mais qui est tellement passionné de la IFI que, voilà, finalement, j'englobe un petit peu un petit peu tous les âges. C'est pour ça que, tu vois, c'est ça qui fait la différence. C'est que la IFI, je la démocratise complètement et je la mets dans quelque chose de plus simple d'accès. Et voilà, et ça, c'est important, les gars. Je vous le dis vraiment parce que. Du coup, il y en a beaucoup, ils connaissent pas la IFI à cause de ça en fait, parce qu'ils pensent que c'est vraiment un truc bien ciblé et tout, alors que c'est pour tout le monde, toutes les cultures, les femmes, les hommes, même les enfants, ils peuvent s'intéresser à la IFI. Ça, c'est le meilleur. Moi, je vous le dis déjà, quand t'aimes la musique, t'es obligé d'aimer la IFI. Voilà. Donc ça, c'était pour la petite parenthèse, hein. Mais avant toute chose, alors c'est une petite vidéo à la sauvette, hein, là vraiment, petite vidéo à la sauvette. Avant, on va aller faire le petit café quand même, on va faire couler. J'allais dire, on va faire couler le bronze. Non, oui, enfin, le café est de couleur bronze. Mais c'est pour ça l'expression, à ne pas s'y méprendre, à ne pas s'y méprendre. Allez, on va se faire couler le petit kawa. Donc déjà, tu vois que la cafetière, elle fonctionne plus. Ah. Allez, le petit kawa habituel. Bon, je me mets un sucre hein, pour le diabète, on fait attention. Un petit sucre. Je sais qu'il y en a. Vous le prenez avec ou sans sucre le café? Allez, on fait chauffer, on fait chauffer. Et en attendant que ça chauffe, justement, je voulais vous dire que la petite vidéo va porter sur une chose très simple. Donc, ce sont les Ellipson XLS15 qui sont encore à la maison. Ah là là, ça va me faire du mal quand je vais les voir partir, celle-ci. Et donc, on va tester. Avec le bouchon des vents fourni par Ellipson et sans le bouchon des vents. Donc je vais vous dire une chose très simple, c'est-à-dire que le test il va pas durer longtemps, mais on va significativement entendre à quoi ça sert de le mettre ou de ne pas le mettre. Donc tu vois, déjà, ça commence bien, la cafetière veut pas que je fasse couler le café. Si, si, attends, oh, un Nico sans café, c'est pas normal. D'ailleurs, là, me fait de la flotte. Là, c'est du café. Mais c'est un truc de ouf. Les gars, je vais vraiment investir dans une machine à café Nico Style et Fiman. Je vais la créer de toutes pièces. Café moulu et tout, tu vois. Allez, que je me fasse mon petit kawa. Et donc, alors oui, ce que je vous disais là par rapport aux Ellipson, c'est que le test, en fait, il va être assez simple, il va être assez bref. Mais c'est vraiment que vous voyez les différences. Encore une fois, quand je vous dis que je vais vous montrer les différences, c'est pas vous les dire. Au début, je voulais juste vous faire une vidéo, voilà, où je vous expliquais la chose, mais là, je préfère vous le faire en vidéo, justement, parce je pense que vous pouvez peut-être l'entendre et le ressentir de votre côté si vous avez un casque. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais passer un spectre de fréquence à 20 Hz. Un autre à 25 Hz et un autre à 31,5 Hz. Voilà, ce qui fait qu'on est quand même dans des basses fréquences. Et à savoir que le 20 Hz, à l'écoute, c'est plutôt un ressenti en fait, c'est un ressenti physique, tu vois, dans ces basses fréquences. Et donc là, tu vas voir qu'avec le bouchon, tu vas voir que le grave qui va sortir, en fait, ça, il va rester à l'intérieur de l'enceinte, même si tu vas avoir un petit flux d'air qui va passer à travers la mousse, ça c'est sûr. Mais ce qui va être le plus marquant, c'est que quand tu l'enlèves, et ben là, c'est là que tu as le grave qui va, l'infragrave va être bien plus présent dans le sens où ça va vraiment jouer avec la pièce. Et tu vas voir qu'il va y avoir des vibrations un petit peu de partout parce que dès que tu enlèves les bouchons des vents, là tu as un grave qui descend beaucoup. Alors ce qu'il faut prendre en compte, les gars, c'est que sur l'XLS15, le fait de mettre ce bouchon ou pas, ce qui va être important, ça va influer surtout sur votre pièce. Donc si vous avez une pièce où le grave, ça peut être proéminent,
je vous conseille de mettre les bouchons. Si jamais vous recherchez du grave qui descende bien et que et voilà que vous, bah vous en voulez en fait ça va jouer avec ça selon le manque de grave ou le trop de grave. Donc ça c'est je trouve que c'est pas mal. Franchement, je trouve que c'est pas mal. Personnellement, je le préfère sans le bouchon parce que bah parce que voilà le grave il est là. Donc déjà à savoir que les XLS15 elles descendent à 40 Hz, donc c'est pas dans les infras, mais ça descend bien et proprement. Donc voilà, même si c'est pas dans du 30 Hz comme on peut avoir avec d'autres enceintes où ça va être beaucoup plus flagrant. Mais voilà, après concernant la dynamique, il y a pas vraiment de changement, hein. Que tu mettes le bouchon ou pas, la dynamique elle reste pareil. Voilà, donc on va se faire l'essai. Juste avant, je vais quand même aller touiller le petit kawa, parce que le kawa c'est important. Ah, tu vois, bon, ça fait du bien, ça fait du bien. Le déménagement les gars, bientôt, bientôt, bientôt. J'ai hâte pour le déménagement, parce que vous savez que la pièce IFI, tout ça, ça va être dingue, hein. Franchement, ça va être la folie. Donc il faut attendre, je pense, novembre, décembre pour quand j'aurai fait la pièce, tout ça. Parce qu'il va y avoir un peu de boulot, hein, mine de rien. Ça va pas être de tout repos. Mais je peux vous dire que là, on pourra faire des essais, tout ça. Ça va être magique. Et j'ai vraiment, vraiment, vraiment hâte. Donc voilà, on va goûter ce petit. Ça va, c'est pas dégueu, hein. Tu vois les capsules là. Quand tu prends des capsules sous marque, c'est vrai que des fois c'est pas mieux prendre de la marque. Voilà pour la petite parenthèse. Parenthèse café les gars. Bon allez, c'est parti, on se fait le petit test. Allez, je balance. Donc vous allez voir, ce sont des fréquences. Donc fréquence à 20 Hz, 25 Hz et 31,5 Hz. Donc c'est des fréquences en continu. Et donc forcément, tu vas voir que le boomer va bouger énormément. Mais comme j'ai dit, attention, ne le faites pas chez vous. De toute façon, déjà, faut-il savoir déjà comment on procède pour faire ainsi. Voilà. Bon, allez. Go, 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 go. Alors, donc la fréquence. Là, on est sur du. Ok. Là, on est sur 31,5 Hz. Et après, ça va revenir à 20 Hz. Donc là, il y a les bouchons. Voilà. Là, il n'y a aucune vibration autour. On est revenu à 20 Hz. Les chats aiment bien les basses fréquences. Surtout là-bas que ça vibre. Là ici, on n'a pas de vibration à ce niveau-là. Ce que je vais faire maintenant, les gars, c'est que je vais enlever les bouchons. Vous allez voir les différences. Direct. C'est flagrant. Tu vois, même là-bas, on entend le. Et là, ça vibre vraiment partout. Alors qu'avec les bouchons, non. C'est là que tu vois que la contenance de l'air, ça a un grand rôle sur la pièce.
Et c'est ouf, hein. Franchement, je vous dis, les gars, en réel, c'est dingue. En réel, là, à l'écoute, tu le verras peut-être pas forcément au casque ou quoi. Mais en réel, c'est énorme. C'est monstrueux, c'est monstrueux. C'est ouf, franchement, c'est ouf. Donc voilà, les gars. Alors, je vous conseille, encore une fois de plus, de mettre les bouchons que si vous avez trop de grave dans la pièce. Voilà, si vous avez trop de grave, si vous avez un problème de placement, notamment au niveau des murs, à l'arrière. Moi, tu sais très bien que mon placement, là, je l'ai fait comme ça. Je peux toujours l'améliorer, hein. Tu vois que le recul par rapport au mur, j'aurais pu les coller. J'aurais pu les coller au mur, tu vois. Mais bon, voilà, je ne l'ai pas fait, hein, pour le côté WAF. Regarde le côté WAF pour être à hauteur du meuble TV. Mais voilà. Mais donc, à ne pas négliger ce petit élément, donc pour ceux qui auront des Ellipson XLS15. Voilà. Et tous ces petits réglages à faire, n'empêche, c'est très intéressant. Et encore, j'ai pas effectué avec le sweet spot, tu sais, à orienter les enceintes vers moi, voir quel serait le meilleur angle ou quoi. Mais bon, c'est beaucoup de tests à faire. Et puis, bah, tous ces tests-là, je peux pas les faire à l'instant T, parce que il va falloir aussi que je vous fasse un petit essai comparatif avec deux enceintes qui sont de même. De même gabarit, on va dire, de même philosophie. Sauf que, bon, il y en a une, elle est vintage, c'est une JBL, et l'autre, bah, c'est la XLS15 qui vient de sortir il n'y a pas longtemps. Et voilà, et vous verrez qu'elle n'a pas forcément à rougir, cette XLS15, face à cette grande sœur qui est la L112. Voilà, mais bon, après, c'est plus ça. Un duel très sympathique, voilà, bah, de se faire plaisir, tout simplement. Voilà. Puis pour revenir aussi un petit peu au duel que je fais sur ma chaîne YouTube. Voilà, les gars. Bah, écoutez, j'espère que ce petit moment vous a plu, hein. On était là en détente, tranquillou. Voilà, c'est à la cool. Comme toujours, à la cool. De toute façon, avec moi, c'est très. On est pépère. On est bien. On est comme à la maison. Et voilà. Et puis, bah, franchement, je vous dis, le jour où je pourrais tous vous inviter, enfin, inviter la plupart des personnes de ma communauté à venir faire une écoute, ou même qu'on soit comme un petit séminaire, tu vois, et ben, franchement, avec plaisir. Vraiment un grand plaisir, les gars. Voilà. Je vous embrasse. Passez une belle journée. Et puis ça commence à cailler, mais tu vois, moi, je suis pas quelqu'un de frileux. Donc, ça va, le chauffage pour l'instant, j'en ai pas besoin. Là, je peux être en t-shirt dehors, y a pas de souci. Voilà. Bon, allez, bisous, les gars. Ciao.